En tout est buggé. Oh la vache. Oh, je ne maîtrise de rien. Rien n'est maîtrisé. Oh fuck, ah, c'est la maîtrise, c'est là. On est là, on est là. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans le stream de la propreté avec un bol de riz au fromage, les enfants. Absolument délicioso, je me régale pendant ces intros. Et on va commencer tout de suite la propreté à 21h20 et au lieu de 21h40. Pourquoi? Parce qu'à 21h45, je dois aller chercher ma femme. Et je vous abandonnerai donc pendant 10 minutes, le temps de faire l'aller-retour comme un enculé pour suivre encore plus l'histoire de Dragon Ball. Non, je veux dire de Secret of Mana, bien sûr, d'ailleurs. Il est où le chanteur? Il se calme. Oh. 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 Oh, tu te calmes. Sinon, c'est retourne à l'usine. Voilà. Je préfère, ouais. Du coup, bienvenue pour la propreté, allons-y, allons-y. La terre du milieu, l'ombre de la guerre, à chaque fois. Oh là, waouh, waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Rien que pour ça, ça valait la peine. Bon. On est là, on est bien. Lançons Secret of Mana. J'ai téléchargé Cheat Engine, bien sûr, mais je l'ai pas fait de mon côté comme un sac parce que j'étais occupé, brave Jean. Et oui, j'ai une vraie vie. Quand t'as plus de 30 ans, tu peux te permettre de regarder ceux qu'on a au moins et de leur dire j'ai une vie maintenant, Billy. C'est bon ça. Et tellement bon comme manger du riz, par exemple. Attention, vous êtes prêts pour cette introduction incroyable? Avec, bien sûr, un doublage français, hein, fait par Bob Lennon. Parce que le jeu est soit doublé en anglais, soit doublé en japonais, mais les deux voix sont ridicules. Soit c'est beaucoup trop sérieux, soit c'est beaucoup trop mal fait. Du coup, on fait ça avec la bonne version, nous. Alors, vous y voyez rien, c'est normal. Vous y voyez rien, c'est normal. Voilà, excellent. On est bien, là. Ok, alors, attends, on prend une grosse bouchée de riz. Voilà. Impeccable. Dans des temps troublés, le peuple attend le héros qui brandira l'épée et ramènera la paix sur le monde. Nom, nom. Excalibur, Kusanagi, Masamune, l'épée porte bien des noms dans les mythes et légendes qui la glorifient. Mais tous désignent en fait la même lame. L'épée sacrée de Mana. Impeccable. Voilà. Le vrai doublage absolument héroïque, brave Jean, avec les bols. Si ça c'est pas ASMR, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Oh là là là. En tout cas, cet artwork est bien fait. C'est pas comme le poster de la version américaine du jeu qui a un dragon dégueulasse dessus, on ne sait pas pourquoi. Merci Phantom Nokami. Impeccable. Bon. Impeccable. On est donc dans le royaume de Mandal. 054-0110. Dans le royaume de Mandal, ok, très bien. On va lancer là. Bon, avec le riz, ça fait un doublage japonais. Hein. Oh là là, c'est vrai, les musiques dégueulasses. Alors attends, prenons Flabby et allons dans un endroit qui est moins offensif. Auditivement parlant, histoire de s'en remettre. Bob, un petit résumé? Non, t'étais là la semaine dernière, me casse pas les couilles. Fais-le toi-même le résumé. Alors,
Forêt de glace, nord. Le palais de cristal. Le village des morses. C'est pas mal, le village des morses. Allons au village des morses. Voilà, impeccable. Voilà. Partons d'ici avant que la musique ne s'excite en mode électro dégueulasse. Exécutons ce minable. Voilà, très bien. Nourri! Le crust! C'est bon, ils sont morts. Impeccable. Nani? Nani, Nani? Nani, Nani? Qui me lance des sortilèges? C'est inacceptable. Il faut mourir, monsieur, maintenant. Pouah. Level 5! Bzzoui! Oh là 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 là, cette bifle à l'américaine! Impeccable! Ah mais non, mais barrez-vous! Mais barrez-vous! Barrez-vous! Voilà, c'est bon. Ok, on est. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ah. Nucléarise-moi ce fils de chien! Quoique non, tu peux pas, là, c'est l'absorption point de magie. Ah! Bon, on essaie de se trouver un endroit au calme, avec une musique qui serait pas trop agressive, sauf qu'apparemment, c'est trop demandé. Mais qui est le chien? Ok, ça suffit. Y'en a marre. Y'en a marre. Athanor, nucléarise-moi tous ces fils de clébards. Tous! Tout le monde meurt, comme dans Hamlet. Action. Il faut mourir, madame. Il faut mourir, madame. Il faut mourir. Voilà, c'est bon. Enfin. Au calme, dans la forêt de cristal. Ah. Tout va bien. Donc. Où en étions-nous? C'est pas quand tu touches les cristaux que tu ralentis. Non, 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 c'est de la magie qui est utilisée contre... Ce loup qui est blessé, qui vient vers moi en boitillant, en espérant trouver la rédemption ici, alors qu'il ne trouvera que la mort. Voilà, je l'ai buté comme Freezer a buté Krillin. Très bien. Donc maintenant que ça c'est fait, nous sommes ici dans Secret of Mana. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, tant pis pour vous. Je vous invite à regarder les lives précédents. Il y en a pour plus de 17 heures de contenu. Après, ça se plaint que vous n'êtes pas nourri sur la chaîne principale. Me cassez pas les couilles. Et ensuite, j'ajouterai même qu'aujourd'hui, on va farmer, mais vachement moins, parce que déjà, tous nos niveaux de farm sont quasiment au maximum, même si on a tout fait forger. Hein, vous voyez, on peut atteindre le niveau 6 de l'épée Excalibur, niveau 6 du harpon, niveau 6 de la lance, niveau 6 de l'arc, niveau 6 de la hache, et que vous voyez que mon niveau est bien un niveau 5, 55%. On est bien en train de progresser avec les objets et tout ça, ainsi que le level des magies. Cependant, parce qu'il y a un cependant, Skashi, Doug. Nous avons avec nous Cheat Engine. Ah, elle est presque level 1 de Lumina. Attends une seconde. Yeah! Voilà, très bien. Nous avons avec nous Cheat Engine qui va être utilisé, abusé, surabusé, exploité, esclavagisé, fourbé, les enfants. Parce que, contrairement à Nozomido le japonais, hein, qui n'a que entre la masturbation sur des lolis. L'échec scolaire, la pression sociale et le suicide, il n'a que ça à faire. Et moi, j'ai une autre vie à mener. Du coup, je considère que j'ai largement assez farmé pour ce jeu à deux roues. Voilà, open, ça c'est pas mal ça. Yes. Et je vais voir si je peux. Très bien, enable. Alors, voyons voir. On va voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Weapon XP multiplicateur. Ben voilà ça. Bah c'est très bien ça. Bah c'est parfait ça. Fois X combien? Fois 4. Et ben on va le mettre fois 10. Voilà, ça va aller bien 5 secondes. Voilà. Multiplicateur d'XP fois 10. On va tester. On va tester. Voyons voir. À combien sommes-nous en H? Nous sommes à 55%. Chaque monstre que je tue et que j'abats rapporte à peu près... Peut-être 1% ou dans ces eaux-là. Donc on va charger ultra. Voilà.
D'accord, c'est mort. Ah, attends, je suis à 55%. Il faut que ce soit moi qui porte le coup final, idéalement. Ouais, sauf qu'apparemment, ils vont même pas me dire... Ok, c'est bon. Ah, il est mort. On est à combien? 96%. En 4 ennemis, on est presque à une barre au level 6. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ça, c'est efficace. Ça, ça me plaît. Bam! Level up! On peut monter la hache au niveau 6! Ah! Parfait! Kolega! Level Rokuda! Ah! Oh là là! Donc ça, c'est le level 6. Il perd le contrôle et il tourbillonne à l'infini. C'est intéressant comme level 6. Voyons voir les autres protagonistes. Il faut qu'elle maîtrise la lance, elle. Pouille a gagné un niveau d'arme. L'arc atteint le niveau 6. Excellent. Chargeons donc. L'arc au maximum. Level 6. Ok, il est level 6. Donc la pouille, il est très vénère. Il a la flèche d'Athéna. C'est pas le level 8. Hein. Level 8, il a vraiment la flèche d'Athéna. Ça déconne zéro. Mais fais voir. Je rappelle, le level 5, il envoie deux flèches. Ce qui est pas non plus là. Ouh, trois flèches dans sa bouche. D'accord, c'est pas si impressionnant que ça cependant. Allez, il faut mourir mon loulou. C'est maintenant. Les portes de la mort t'appellent. Excellent. Très bien, elle a atteint le niveau 6 de la fourche de diablotin. Donc voyons voir. Hop, on charge. Point, 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 point. Level 3, level 4, level 5, level 6. Pssouah ! Oh là 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 là, petit front flip avec envoi de lance à répétition, c'est quand même pas mal. Du coup, Choupette, tu vas manipuler la lance normale. Tandis que toi, le héros de légende, tu vas manipuler bien sûr. L'épée, on va la garder en garni. Tu vas manipuler les griffes lacérantes. Et toi, tu vas manipuler le boomerang. Parce que t'as toujours les armes de merde. Donc allons-y. C'est des armes qui sont très jolies au passage. Alors, petit reminder de ce qu'est le level 5. Level 5. 3. 4, level 5, Sui, Tatsumaki! Oh là là là, ce Tatsumaki Senpukyaku. Donc, ça, c'est son level 5. Hein. C'est tout de suite agréable. Ah, c'est la maison du Père Noël avec Rudolf. Ok, très bien. On va charger la level 5 à la lance. Je me souviens plus à quoi elle ressemble. On charge. Je me souviens qu'au level 2, elle l'a fait tournoyer à mort. Charge. Voilà. Zouah ! Oh là 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 là, ça balaye sec. Hein. Ça balaye sec, ça déconne zéro. Et le boomerang level 5, je crois me souvenir que c'est ridicule. Genre, il fait une feinte et il envoie deux boomerangs. Genre, c'est nul à chier en fait. Attention. Ok, je retire poliment ce que j'ai dit. C'était un peu classe, mais que d'attendre qu'il ait le level 5 pour faire ça, c'est quand même un peu la misère. Ouh, il a gagné le level 6, voyons voir. Charge la barre. Maximum. Il fait 3 tours sur lui-même. Avant de lancer le chakram. 3 tours sur lui-même, donc il fait un 720. Même pas un 720, il fait un 1080. 1080 no scope. Boomerang Sama. Et enfin, toi au level 6. Quand est-ce qu'il va... J'espère qu'il va balancer des boules de feu bientôt. Je me souviens de ça. Hein. Il y a des Hadoken hein, dans le jeu. S'ils ont pas mis le Hadoken, je pète un câble. D'accord, non, c'est toujours la même attaque. Ok, très bien. Et elle, c'était quoi son attaque?
À part le fait voilà qu'elle fait des tourbilols sur elle-même et qu'elle les défonce tous. Charge. Oh la parade. Charge. 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 Ça c'est le level 5, mais il est toujours pas mort. Ah putain, il faut vraiment achever les ennemis soi-même, hein, sinon ça compte pas. Sinon ça ne compte pas. Bon. Parce que là on va en taper un peu soi-même. Voilà, hyper connaissance. Voilà, il est mort. Ça m'a gagné combien là? J'étais à 25%. 20%, ok, en 5 ennemis c'est réglé, ça va. Côté farm, c'est pas non plus le plus absurde. Oh le coup critique! Bim bim! Il est mort. Et voilà, Gisèle gagne un niveau d'arme. La lance atteint le niveau 6. Level 6! Attention! Aïe! C'est le même que la hache, mais en mode spin to win, boys. C'est quand même assez beau, hein. Très bien. Qui il manque? Ah, lui il manque, hein. Je crois qu'il a pas son level 6. Hein. Donc faut faire un peu de kung fu! Le king fu! Bam, la chope! King Fu! Bam! C'est bon, il est mort. Bam, la chope! Oh, le coup critique! Ok, donc on repasse à la maison de Rudolf. Bob, il faut que t'ailles chercher ta femme. Oui, je sais, ouais. Je vois ça, je vois ça. Tout va bien. No spinning bird kick. Ah c'est vrai, pas de spinning bird kick. Attends je charge. Charge la barre. Charge la barre. Ah le spinning bird kick il est là. Spinning bird kick. Oh là 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 là. Ça fouette en tout cas. Raté. Level up! Level 6! Charge la barre! 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 Ah, il a buté le loulou! Bon, c'est pas grave, on va voir. Level 6! Soya! Oh là 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 là! Ce Tatsumaki Senpu Tourbillon! J'ai l'impression que le level 6, c'est un petit peu le Kung Furi. C'est un petit peu le Kung Fureur pour toutes les armes. C'est le Tourbillon ultime en fait. Très bien, donc ça c'est acquis. Qu'est-ce qui n'est pas acquis? Morgenstern. Excalibur, on regardera en dernier, bien sûr. Toi, tu maîtrises. Non, toi, tu maîtrises pas les griffes, c'est bon. Toi, tu peux maîtriser l'arc, voilà, très bien. Excellent, je vais augmenter peut-être le multiplicateur d'XP. Je vais mettre un multiplicateur à x30. Histoire d'être sûr que ce soit vraiment sale. Et enfin. Je leur dis que le charge level autorisé instantané est le level 6. Ça marche? Non, il fait que le level 2. Non, ce mode ne marche pas. Quel dommage. Il y avait un weapon charge mode qui était censé te permettre de charger instantanément les barres. Ce n'est pas le cas. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Dans tous les cas, chers amis, je le désactive, donc tout va bien. Dans tous les cas, oui, il faut que j'aille chercher ma femme. Je vérifie ça juste en deux. Il n'y a pas eu de message. Moi, si j'ai pas de message, je pars pas. Quand tu me dis... Je pars quand tu me dis, voilà, parce que si ça veut pas
si ça veut pas check son portable aussi, je veux bien 5 minutes, mais il y a un respect. Alors, du coup, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Oui, non, ça marchait pas. Donc on voulait continuer à farmer, voilà. Il faut continuer à tuer des... Mais attends, mais ça peut aller vachement vite. Je suis complètement con. On perd un temps fou ici. Voilà. Voilà, impeccable. Alors, ils sont où les lapins? Bam, le lapin. Un bonbon. Alors, attends, vérifie d'abord avant. Ah ouais, ça marche, 66%. Le chiffre du démon. Bam, le lapin. Level up. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il faut que ce soit moi qui les bute. Bam, le lapin. Level up. Bam, la plante. Bam, la shop. Level up. Bah, c'est quand même très pratique, hein. Et donc, du coup, on n'a pas de nouvelles techniques parce qu'on connaît l'arc. Ah non, on a le fouet. Le fouet est nouveau. Voyons voir le fouet level 6. Le fouet level 6. 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 Aïe! Oh là là, ça fouette! Donc, 3 coups de fouet consécutifs. C'est pas vraiment ça. Hein. Je suis un peu déçu. Hein. Ils auraient pu rendre ça un peu plus stylé. Mais enfin bon. Du coup, tu vas prendre ça. Toi, tu vas prendre ça. Toi, tu vas prendre ça. Voilà, on garde les meilleurs pour la fin. Bam. Voilà, level up. Bam. Bam. Level up. Ah putain. Ah oh, la vache. Ah oh, je suis désolé. Oh là là, je suis désolé. Ma femme m'informe que PowerPoint lui a planté dans les doigts. Et donc elle a perdu 1h30 de travail. Donc non, elle m'engueule pas, hein, je vous rassure. C'est juste qu'elle est dégoûtée. Donc je lui demande s'il faut aller la chercher tout de suite ou plus tard. Ah non, mais là c'est la misère du sbit. Oh là, c'est bon, il est mort. Level up. Donc lui, il a gagné le fouet level 6. Le fouet level 6, il fait fouetter plein de choses à la suite, donc on s'en fout. Prends la fourche du diablotin. On va aller chez Chacha. Le contrôle S, ça existe. Ah bah oui, mais tu t'attends pas à ce que Power Motherfucking Point plante, quoi. Tu sais, tu t'attends un minimum de respect de la part de Microsoft. Voilà, il est mort. Non, toujours pas. Je suis level 6 avec lui là déjà. Ah oui, putain, je suis déjà level 6, ok, j'ai rien dit. Donc on va prendre l'arc. Et Gisèle est déjà level 6, donc elle va prendre le fouet. Impeccable. Ça fait tellement plaisir de pouvoir rattraper les retards de level comme ça. Ça fait tellement du bien, vous imaginez même pas. Oh, de les baiser comme ça psychologiquement. Level up. Voilà, level up. Oh là là, quel régal. Pas de réponse. Toujours pas de réponse, c'est pas grave. Au moins ça s'est levé, donc la fourche de diablotin. La lance, la voilà.
toi, il te faut encore deux armes comme ça. Et toi, il te faut la fourche. Voilà, on sera bien. Voilà, Dolan et Gaye sont level. Ma femme est dans la galère. Elle est là, c'est l'enfer. Donne-moi 10 minutes. Donc écoute, nous on reprend de notre côté. Et je vous réabandonne avec ça si jamais je dois aller la chercher. Je reste en stand-by. Tant qu'elle m'a pas contacté, moi je bouge pas. Voilà. Effectivement, c'est la voix du grand Schtroumpf, bien sûr. C'est la voix qui de l'homme qui a capturé Batman. Il est prêt à révéler son grand secret grâce au grand sorcier électronique. C'est quand même assez divin. C'est quand même assez divin. C'est les vrais doublages. Hein. C'est les vrais doublages. Ça déconne absolument pas. Ça déconne absolument pas. Alors, je garde ça sous les yeux. Voilà, tout va bien. Où est ma manette? Où est ma manette, putain? Ça y est. Bon, toutes les armes sont levelopées. Les maîtrises sont faites. Reprenons donc nos armes de prédilection. Alors, pour le nabo, je veux le fouet. Non, mais non, je vais pas faire ça. Pour la gonzesse, je veux la lance. Ça. Et enfin, pour le héros, Randy Savage. Voilà, pour Dolan, je veux Excalibur. Merci. Excalibur qui est l'arme la moins puissante que toutes celles que l'on possède, hein, surprenamment. On a bien 6 sphères, hein. Par contre, lui, il la maîtrise pas level 6. Ah! Donc on a encore un petit peu de farm à avoir. Mais très très bien, tout va très très bien, merci la grande. Tout va très très bien. Alors attends, charge tout ceci à donf. Level 2! Bam! Bam! Hup. Encore un peu. Swap. Bah alors? Mais! Ah non, mon gars! Oh la connerie! Moi qui croyais que les persos ne pouvaient pas maîtriser l'épée mana à fond à part le héros, ce qui aurait été RP et logique, elle est juste pas forgée à fond. C'est de la merde. C'est de la merde en biseau. Impeccable, impeccable. Formidable. Donc elle est level 5, c'est la baise. Alors, la baise. C'est la baise, c'est la méga giga méga baise. C'est la grosse baise, c'est la putain de méga giga grosse baise. C'est la grosse baise, la grosse baise, celle de ton fion qui vise ton trognon. Ok. Vulk, quelle voix je lui ai donné une? Vous en avez mis du temps, j'étais sûr que vous passeriez par ici. Ça y est, les voix vont venir, parce que j'ai pas fait les voix depuis quoi, 2 semaines? J'en sais rien, mais voilà. Je vous attendais, une arme à me faire forger? L'épée mana! Excalibur? Très bien! Yop là! Et Masamune? Haha! Une épée japonaise, un katana à lame courbe qui ne tranche que d'un seul côté. Une épée qui ne peut pas se retourner contre son porteur. Mais c'est l'épée mana! Exact! Et alors? Mais je me suis jamais coupé avec! Bah oui, petit, c'est juste que t'es doué, et en même temps, quand je regarde ta coiffure, je me dis que quelque part, tu as un talent naturel pour ça! Merci, Vulk! De rien, petit, maintenant, décampe, j'étais en train de conclure l'affaire! Oh! Cet homme est en train de me séduire à une vitesse folle! Impeccable! C'est vrai que la musique du jeu est forte, voilà, je l'ai baissée. Bon. Gundam! Et en même temps, Vulk, il faut qu'il se dépêche pour séduire le champignon, parce que le champignon a encore 6 heures pendant que c'est une femme. Après, il switch, hein, je rappelle. Oh, c'est vraiment un katana en plus, hein. Ah, c'est fort au nord, hein! C'est Shino Samurai! Sui! Ninja! Sui!
Hoi Sui Ah et... Ni Sui Level up. Hi. Attention. Charge la barre. Charge la barre. Charge la barre. Charge la barre, 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 charge la barre. Est-ce que vous êtes prêts pour le tourbilol de votre vie? Je sens que ça va être le tourbilol. Qui sont les méchants? Bah alors. Bon, ça c'est un dragon. Le tourbilol. Tourbilol! Esquive! Oh, ce kung-fu! Voilà. Lapinette s'est fait molester, mon gars. Il s'est fait molester comme une Allemande le jour du Nouvel An. C'est quand même la violence, hein. C'est quand même la violence. Impeccable. Alors, voyons voir maintenant ce qu'on peut faire du côté magique. Magique, 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 magical girl, magical aventure, magical amour, magical tout ça. Level 4 partout alors que je pourrais au moins atteindre le level 6 en toutes les magies. C'est la misère. Level 6, level 0, level 4, Lumina et Luna, level 0 elle aussi, lame lunaire. Problématique. Problématique, problématique. Voyons voir si Shitanjin peut nous aider. Alors, nous avons le weapon multiplier. Weapon auto level up, non. Magic XP. Magic XP multiplier par 4. Je voudrais le mettre. Magic XP multiplier, je vais le mettre par 30. Et ça va bien se passer. Voilà, très bien. Et quant à weapon charge mode, je vais voir si c'est pas possible. Si ça marche. Oh là là, ça a fait planter le jeu. Oh là. Ah. Nani. Gébep. Ok, Shitanjin a trahi donc. Très bien, très bien. Shitanjin a trahi. Le weapon charge mode, c'est pas son kiff. D'accord, donc on va utiliser les anciennes techniques pour charger les épées. C'est-à-dire rester sur nous à charger l'énergie comme dans DBZ. Sinon, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Fort heureusement, la sauvegarde automatique. Voilà, Dieu merci. Dieu merci. Alors, du coup, on va ouvrir le petit truc. Oh oui, je garde les current address. Oui, spam, enable. Magic XP multiplier x30. C'est parti. On y croit. Alors. La 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 la. On va commencer par les magies simples. Lumina. Gisèle gagne un niveau de magie. Level 3, Pouille gagne un niveau de magie. Gnome atteint le level 5. Ça marche bien. Ouh là là, ça c'est des vrais boucliers. D'accord, elle maîtrise pas encore la barrière claire. Par contre, entrave, c'est clairement son sujet. Ok. Donc la terre, elle est level 6 là déjà. Ensuite, la glace. Impeccable. Voilà, Ondine atteint le niveau 6. Ça y est. Pouille à pexer. Ensuite, le feu, boule de feu. Ensuite, pour Lumina, barrière claire level 6. Ça y est, elle est à ce niveau. Impeccable. Ensuite, ouais, sabre glace. Bim, bim, bim. Prends ça, lapin. Athanor atteint le level 6. Oh, la taille des boules de feu. Oh, les boules de feu de level 6, ça déconne zéro, regarde ça. Oh là 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 là. Les boules de feu de level 6, ça déconne zéro, mon gars.
vérifie juste, voilà. On m'a pas envoyé de message, tout va bien. Voilà. Moi, tant qu'on m'a pas envoyé de message, je suis clean. Alors attends, on va essayer la lave. Mais non, mais Gisèle, casse pas les couilles. Oh. Ouais, c'est pas très impressionnant. C'est pas très impressionnant tout de même. Essayons l'explosion. Très bien. Explosion. Bon, ça lui a fait mal, mais c'est pas très spectaculaire non plus. Allez, debout. Alors attends, niveau des magies par contre. Où est-ce qu'on en est? Ah d'accord, il y a un level 7. Ah, il y a un level 7. J'avais complètement oublié ce détail. Attends, on va faire un truc aussi par contre. Voilà, Gisèle. Tu utilises des cibles différentes et tu utilises la technique de level 6, voilà, minimum. Je veux pas en entendre parler sinon. Toi pareil, level 6 minimum, je veux pas en entendre parler. Voilà. Et toi, pourquoi level 5? Ah, level 5, bah, j'ai pas appris level 6, c'est vrai, c'était bugué, j'ai foiré mon coup. C'est pas grave, de toute façon j'ai mon épée, je finirai bien par apprendre le level 6 à un moment ou un autre, c'est sans importance. Ok. Sabre glace. Donc ça, tu as level 7. Boum, sur tout le monde. Oh, la caillasse. La caillasse qui déconne absolument pas, hein. Missile de diamant. Level 7. Voilà, ça c'est des vrais missiles. Alors lui là-bas il se la pète, il se la joue. Givre, level 6. Bam, 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 bam. Oh, les météorites. Les météorites qui se bouffent quand même, ça saigne. Hein. Ça saigne. Faut avoir plus acide. Level 6. Oh là là, sale. Impeccable, ils ont besoin d'un peu de mana. Ça tombe bien, on a des noix. Me cassez pas les couilles. Voilà. Petite goutte de facial à tout le monde. Impeccable. La goutte que tout le monde attend impatiemment, bien évidemment. Ensuite, foudre. 4. Très bien, y'a plus personne là. Là. Voilà. Sabre vent. Oh là là, les disques de freezer. Les pizzas, mon gars. Oh, la taille. Oh là 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 là. Ça rigole pas, hein. Et lui là, si on lui balance juste seul, sabre vent. Bim. Ok, ça paye. Ça paye et ça déconne zéro. Ok, ensuite. Oh, ténèbres. Ça c'est marrant, ça. Anti-magie non, mais Nexus ténébreux et force sombre. Force sombre, level 5. C'est moins impressionnant que la version de Super NES, cependant. Trou noir. Ah, voilà. Là, ça a quand même un peu de gueule, mais ça fait zéro dégâts. Je comprendrai jamais comment ça marche, Nexus ténébreux. Oh la vache, Gisèle, t'as tout mis, là.
Regardez, ça fait tellement pas de dégâts et ça coûte tellement de mana, je comprendrai jamais l'utilité de trou noir. Enfin. Force sombre. Fort heureusement, ce sortilège fait amplement le taf. Ensuite, ça c'est monté. Luna, il manque que Luna, très bien. Métamorphose, absorption, lunatique. Métamorphose, je vois pas en quoi tu peux le transformer en quelque chose de pire, mais... Oh mais oui, je peux leur absorber la mana. Absorption, level 0, allons-y. Slurp. Doshka, 15 points de mana, rentabilisation. Absorbons cette espèce de grosse chouette de merde. Oh là là, grosse absorption. 21 points, full mana, félicitations. Métamorphose ! Level 4 ! Ça a raté, métamorphose ! Oula. Métamorphose ! Ça n'a pas l'air de marcher, métamorphose. Lunatique ! La pinette flotte. Bon. Très bien, ça n'avait pas l'air d'être... Ça n'a pas l'air d'être concluant, malheureusement. Lunatique n'est pas d'une efficacité hors de commun. Absorption level 7. Regardez-moi cette barre de mana. Oh, délicieux. 16 points de mana. Merci beaucoup, madame. Et il est à fond, je pense. Avec ça, il est à fond. Hein. Et ça, il est à fond. Du coup, toi, Lumina, elle est level 7. Dans ce cas-là, rayon sacré. Ça marche bien. Du coup, rayon sacré, c'est level 7, donc ça, c'est impeccable. Lunaire. Oh. Alors, fougue, c'est cool. Sabre lunaire, c'est cool. Mais le must, c'est quand même boule d'énergie, qui te met automatiquement ton prochain coup est un coup critique. Force lunaire. Bam, coup critique automatique. Vous avez vu? La taille des boules ne font qu'augmenter! Ouah! Et en plus, c'est même pas une durée définie, hein, c'est un nombre de coups en fait. Ça, et le fait que tu nous mettes sabre lune! Sabre lunaire! Chouing! Et derrière, si t'es gentil, tu nous mets célérité! Oh là 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 là. 158 $. On a tout gagné, mon gars. Coup critique. 336 points de vie récupérés. Bim. Quand tes dégâts sont l'équivalent de ta barre de vie. Oh là là. Je rappelle que ce jeu est complètement pété, hein, en termes d'équilibrage. Pouinez plus sous l'effet de changement d'état, tant pis. Voilà. Donc c'est déjà bien bien sale. Ok, très bien. Alors, Gisèle. Du coup, toi, sabre lunaire, c'est bon, c'est à fond, la lune est à fond. Ce qu'il te faut, c'est bouclier et tout ceci, allons-y. La défense. Bon, lui il casse les couilles, absorbe sa mana. Voilà, quand il aura plus de magie, peut-être qu'il va arrêter de nous les chier. Voilà. Oh là là! Bouclier level max! On est pas mal. On est pas mal, il lui reste 2 points de mana. Guérison niveau 6. Voilà, et fais voir maintenant le guérison level 7. Oh là 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 là.
C'est classe, hein. C'est classe, c'est classe. Un peu de mana pour faire plaisir. Et surtout maintenant, on fait voir la larme de guérison, l'eau curative. Attention, la goutte. Oh, la goutte! La tonne. La taille de la goutte, mon gars. Ah, ça jouit fort. Hein. Mur de feu et combustion. Et on va trouver des minables. Et on va les bolosser. Tiens, toi, crâne. Il est mort, sec. Pas de news de madame. Laisse-moi vérifier. Apparemment, aucune. Aucune news de madame. Elle m'a... Dernière fois qu'elle m'a contacté, elle m'a dit « Donne-moi 10 minutes ». Ça fait 20 minutes. Donc, tout va bien. Même plus. Ça va rentrer à des heures pas possibles. Alors que c'est censé faire des présentations demain. La panique doit être complète. Yes. Level max. Prends ça. Regarde ça. Firewall. C'est presque un sortilège, j'ai l'impression. Et ça fait des vrais dégâts. Incroyable. Gisèle a des sortilèges d'attaque. Oh là 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 là. Gisèle. Fais voir. Sabre-feu. Ouais, c'est pas plus impressionnant les sabres-feu. J'ai pas l'impression que ça change. Hein. Lumina est à fond. Luna est à fond. Lumina est à fond. Gnome est à fond. Ondine est à fond. Il manque Sylphide. Attends, fais voir. Voilà. Ballon. Niveau 5. Il y en a un qui a été infecté par un ballon. Analyse. Ah, il y a plus d'écran. C'est stylé. Voilà, il y a toujours un ballon. Ça change rien, ça. Analyse. Level 7. Oh. Et enfin, sabre foudre. Chouing. Oh, l'esquive. Parade. Boum. Et voilà, bolossé. Je crois qu'on est bien là. Je crois qu'on est bon pour toutes les armes. Web, web, web. Fais voir les magies. 7, 7, 7. 7, 7, 7, mon gars. Bah voilà. Et ben voilà, ça y est. Ça, c'est du farm. Ça, c'est du vrai farming, chers amis. Et ben vous avez vu, en à peine une demi-heure de début de live, boum, c'est farmé, c'est fait, c'est réglé. Incredibilis. J'ai tout ce que j'ai envie de dire. Où en étions-nous avec l'histoire? L'espionte n'était trop qu'un assassin noir. Oh, un noir qui se faisait passer pour le chef tasmanicain. Tasmanicain. Après l'avoir démasqué, les trois compagnons retournèrent dans la grotte du sage Socrate. Et en vérité, on va parler à son assistant Philo. Allons-y. À ceux qui me disent que l'épée n'est pas level max, c'est pas très grave parce que le... Comment ça s'appelle le... L'histoire fait qu'on va taper sur des choses et on va automatiquement gagner des levels, faut pas déconner. Là, le village de Mandala et le sanctuaire de Mandala. Montagne de la Sierra. Impeccable. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, toi tu me dis que le niveau 5, toi le niveau 6, toi le niveau 6. Voilà, ils me font plaisir. Oh là là, raté. Bi-bi. Super. Oui. Oh là là. Oh, le crash mystique. L'écran noir absolu. Il se passe des choses là. Là il se passe des choses. Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Oh là là.
Oh là 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 là. Oh là là. Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Ça, mon gars, c'est que ça a planté dur. Donc on va couper Cheat Engine, hein.